Alors voilà une chanson plutôt triste qui s'appelle Elle vendait des cartes postales et aussi des crayons. Enfin, elle vendait des cartes postales et des crayons pour s'acheter des souliers parce que les siens avaient des trous. Enfin bref, peu importe. Elle n'avait pas de parents puisqu'elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, c'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils l'avaient pas reconnue. Si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales et aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ça qui est triste. Enfin, c'est triste quand même de ne pas reconnaître son enfant, faut pas être physionomiste. Moi, je suis sûr que si j'avais un enfant, je le reconnaîtrais. Enfin, à condition qu'il me ressemble, bien sûr. C'était rue de Ménilmontant qu'elle étalait son petit panier pour attirer les clients. Elle remuait un peu son panier. Mais un jour, un vagabond qui passait auprès de son panier lui a pris tous ses crayons. Alors elle s'est mise à crier. Voulez-vous des cartes postales? Je n'ai plus de crayons, mais les chants, choses banales, voulaient plus que des crayons. Quand elle criait dans la rue, voulez-vous des crayons? Il disait à l'inconnu, tes crayons sont pas bons, c'est ça qui est triste. Ben, c'est triste quand même, elle avait plus de crayons. Pas forcément, elle se baladait avec son panier à découvert et ben le vagabond, il passait à côté du panier et hop, avec sa main, hein, voilà. Il lui a pris tous ses crayons et comme ça, ben elle en avait plus. Enfin, c'est vrai qu'elle en avait pas besoin, elle en vendait jamais. Mais quand même. Un marchand de crayons en gros lui a dit, viens chez moi mon enfant, je t'en ferai voir de beau. Je ne te demanderai pas d'argent. Ce fut un drôle de marché, car c'était un drôle de marchand. Et elle l'a senti passer, car elle en a eu un enfant. Enfin, c'est triste quand même d'abuser d'une inconnue comme ça. C'est vrai qu'elle avait été faible, hein. Et c'est pas parce qu'il disait qu'il en avait, enfin, qu'il était gros, hein. Enfin bon, elle avait un enfant, quoi. Et puis maintenant, elle avait bonne mine, une mine de crayon. Enfin bon, mais c'est ça qui l'a miné. Et quand elle a vu ça, qu'est-ce qu'elle en a fait de son enfant? Ben elle l'a abandonné. Et cet enfant, plus tard, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle vendait des cartes postales et aussi des crayons. Car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ça qui est triste.